Ça prend direction nord. Semaine dernière, nous étions limbé. Nous retournons limbé week-end ça, une fois encore, puisque nous étions well en image. Il y a un travail pour mettre béton dans plusieurs zones dans limbé. Dans la ville où dans limbé, dans le centre-ville limbé, et même sur la route nationale, là, il y a un travail qui a fait. Nous retournons week-end pour nous regarder avec vous-même. Dans quel niveau, monsieur, dame, technicien, est-ce que j'ai fait fait? Est-ce que j'ai avancé fait? Et par rapport à côté de quitter travail le week-end dernier, qui côté le week-end ça? Richard Sonjoudan. Nous toujours dans le département nord pays d'Haïti. Précisément, nous en dans la commune Limbé, en dans cette ville-là même. Le week-end passé, nous avons constaté qu'il y a un béton qui a coulé dans plusieurs rues qui sont en dans cette ville Limbé. Nous tournons le week-end ça encore pour nous venir regarder qui a avancé, qui a fait dans le cadre de travail ça. Nous remarquons qu'il y a plusieurs rues qui continuent à recevoir béton. Il y a un paquet de techniciens qui apprennent nous que c'est chaque jour, là, matin, la journée, qu'on en est pour voir comment on est capable de finir le travail ça qu'on a fait dans cette ville Limbé. J'en ai deux là, le week-end passé nous étions là. Le week-end ça encore nous venons tourner pour nous. On continue à faire virer au noir après-midi. Nous étions Terre Rouge tout à l'heure pour le barrage de Marion. Nous sommes Limbé, dans le centre-ville Limbé, avec le travail à bétonnage au cap à poursuivre. La semaine dernière, député Limbé a fait connaître presque toute rue dans Limbé qui doit bétonner. Et même sur la route nationale, il y a fois qu'à faire pour que le travail avance. Nous avons là sur le tronçon route Plaisance-Cancoque.
on est habitué à faire route noire comme ça y est déjà. Chaque fois arrivé là, la réalité est un peu plus difficile. Eh bien, l'équipe TPTCA dans 4 caravanes, tu prends un engagement pour que tu passes les mains qui fait. Et ça qui prend très certainement faciliter le transport monde avec bête fait dans plus bonnes conditions. Comment ça y est le week-end là? Est-ce que le travail est avancé? À quel niveau vous êtes? Qui en réalité tronçon est par rapport avec l'engagement qui te prend? Richardson Joudan, tu fais un coup de pied pour nous. Image va venir. Nous avons continué à monter la population qui s'est fait dans 4 caravanes de changement. Là, nous sommes sur la plaisance de Kankok. Le week-end passé, nous étions là. Nous tournons là encore, nous venons regarder qui a avancé, qui fait dans 4 travails. C'est ça que fait nous là. Je ne dis là, nous allons parler avec les gens qui passent dans la zone. Là. On sait des choses. Voilà, bien content. Mais ça, monsieur, dit c'est ça, moi, parce que c'est la belle. Parce que dès longtemps, accident qu'on a fait, cadre sous cadre, mais qu'on n'a pas d'accident, pas de bloc qui sont encore qui fait depuis qu'on a trouvé là. La vie du travail, ça, qu'on a la vie pour ton soulagement pour mon café quand tu es zone, non? Oui. Mais pour... Nous sommes suivants ensemble comment travailler sur route plaisance Kankok là. Nous remarquons qu'il y a élargissement qui a fait, qu'il y a terrasse qui a fait sur route là, qu'il y a un paquet nous capables de techniciens qui là qui a travaillé la journée coulant sur route là. En façon pour comment on a fini avec travail ça qui a fait sur l'île. C'est comme ça nous parler avec population eux même qui exprimer qu'est content par rapport avec travail ça qui a fait sur route plaisance Kankok là. C'était Richardson Joudan pour Télévision Nationale d'Haïti. C'est sûr qu'avant nous arriver à Plaisance, quand il faut passer Pilboro, et les gens qui sont habitués à fréquenter route noire, qu'on est réalité Pilboro à tout, la fin de l'année, pas trop facile. Et là, depuis plusieurs mois, il y a un ensemble de travail qui a démarré dans Pilboro.
Là, nous tournons week-end pour nous fournir, garder, pas oublier. C'est ça, ils travaillent nous chaque semaine. C'est garder ça qu'a fait, garder tout ça qu'a fait. Pour attirer l'attention, c'est attirer l'attention et l'équipe en coordination caravane sur l'ensemble d'engagement que vous prenez. Et ouais, dans quel niveau l'engagement ça a kembe ou pas. Alors, week-end ça, nous allons permettre comment ça y est pour le travail qui était annoncé, qui était déjà démarré, dans le niveau Mon Pilboro, toujours avec Richardson Jourdan. Et puis Laurent Darly, Jean-Jacques, Imajoab Vincounia. Travail a continué dans la zone Pilbo, non seulement gain terrassement avec élargissement qui a fait dans la zone qui beaucoup fini, ça qui beaucoup asphalté, mais gain caniveau tout qui a fait sur toute arrière route là. Nous remarquons qu'il y a plusieurs techniciens qui là, on paquet boss maçon qui là tout qui mobilisé dans quatre travail ça dans la zone Pilbo. Nous là